Je m'appelle Lorraine, j'habite à Saint-Julien-de-Chanzy. Je me définis comme cueilleuse de plantes aromatiques et médicinales. C'est des savoir-faire qui sont assez ancestraux, donc on continue à dérouler ce fil-là. C'est ce qui me paraît être le plus sensé actuellement dans ma vie et dans le monde actuel. La cueillette, c'est beaucoup en sauvage pour moi. J'ai quelques jardins ici, mais c'est très peu, c'est des toutes petites surfaces. C'est surtout pour les plantes que je ne trouve pas en sauvage, donc par exemple la menthe, la mélisse, le calendula, la mauve, etc. Toutes les autres plantes, je les ramasse en sauvage. J'ai mis 3 ans, on va dire, à aboutir à un projet vraiment qui m'allait. Et ça s'est trouvé être ici. C'est quand même un territoire que je porte dans mon cœur. Je suis née là, j'ai grandi là. Je suis partie et puis je suis revenue. Parce qu'il y avait une maison de famille avec du terrain. Et du coup, ça me permettait d'installer mon activité. Et puis d'avoir aussi tout le réseau humain qui allait avec. Concrètement, mon activité professionnelle, c'est donc cueillir des plantes, les sécher, les transformer et les vendre. L'idée, c'est vraiment de valoriser ce qui est proche de mon lieu. Les éléments paysagers sont hyper importants et ce qui donne aussi la richesse végétale d'un pays comme le Brionnais. Entre les haies, les forêts et les prairies, il y a déjà beaucoup de plantes à cueillir. C'est aussi important de changer de lieu de cueillette pour la bonne gestion du site de cueillette en naturel, pour pas trop cueillir. Votre radio du Charolais Brionnais. Vous écoutez bien sur le 92.2 FM, votre radio associative qui est sur les ondes depuis une trentaine d'années. Et maintenant, Sylvain, qu'est-ce qu'on va écouter? Alors, on va écouter Lorraine et son émission Femmes Pirates. C'est l'émission Femmes Pirates, une émission autour de la culture féminine en milieu rural. J'avais envie d'une émission un peu particulière. À mes heures perdues, je fais une émission de radio à Radio Cactus qui s'appelle Femmes Pirates. Une émission donc de portraits de femmes en milieu rural. C'est des moments intimes radiophoniques. La radio, pour moi, c'est un super média d'expression. J'aime bien le côté très immersif aussi des interviews ou des reportages et j'essaye de mettre ça en place aussi dans mes émissions. Alors on va juste faire un petit test pour la voix, ça j'en ai pas besoin. Vas-y, si tu peux me parler. Bonjour, je m'appelle Jordan, j'ai 28 ans. Parfait, ok. Justement, cette relation que tu as aux chevaux, est-ce que tu pourrais la décrire, toi? Qu'est-ce que c'est pour toi, le lien avec cet animal? Alors, le lien avec l'animal, il est fort depuis que je suis petite, parce que j'étais vraiment passionnée d'animaux. J'aimais être en compagnie des animaux, parce qu'ils me permettaient de me sentir pas jugée, de me sentir en sécurité avec des êtres honnêtes et entiers. C'est aussi une manière d'utiliser mon énergie, de dépenser mon énergie de façon positive. Et c'est ça qui fait que l'équitation est un sport qui me correspond. C'est qu'à la fois il est avec les animaux et à la fois il permet de dépenser mon énergie un peu trop présente parfois.
Et qu'est-ce que tu imaginerais comme évolution de ton activité dans les années qui viennent? Alors j'aimerais monter une structure orientée sur l'équithérapie, donc le fait d'utiliser le cheval comme média avec des personnes en situation de handicap, ou en situation d'isolement, en situation de réinsertion. J'ai travaillé avec les mineurs isolés par exemple et les chevaux, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très intéressant. J'ai vraiment eu des jeunes qui me respectaient et qui étaient en bon terme avec moi, qui avaient un très bon savoir-vivre en ma présence, alors que dans leur dossier, dans leur passé, c'était pas du tout le cas avec les autorités en général et encore moins les femmes. J'ai vraiment envie d'aller plus loin là-dedans à l'avenir et de monter une structure comme ça dans la région. Donc voilà. Une fois que j'ai cueilli ces plantes, je les mets au séchoir, qui est installé ici dans ma pièce à plantes. Je les sèche, je les stocke et après je les vends en tisane. Je fais aussi de la transformation alimentaire donc, en sirop, donc ça c'est plutôt avec les plantes fraîches, et des sels aromatisés aux plantes, donc ça c'est un condiment. Je travaille en agriculture biologique, donc c'est des plantes relativement recherchées quand même. Donc au niveau de la commercialisation, c'est pas encore trop difficile de vendre. Je suis dans une petite niche parce que je commercialise de manière très locale, beaucoup en vente directe sur les marchés ou dans des petites boutiques locales. Comme toutes les activités agricoles, c'est difficile d'en vivre. Je me sors un revenu partiel au bout de 3 ans. Mais de là en vivre complètement et pleinement, c'est compliqué. C'est très compliqué. Pour l'instant, tant que je peux le faire de cette manière-là, je vais continuer à le faire. Je suis Julie Perroton, j'ai 41 ans et je fais de la poterie depuis une bonne vingtaine d'années. Après la formation, j'ai un petit peu travaillé chez des potiers et je me suis assez rapidement mise à mon compte parce que j'avais besoin d'être seule en fait, de travailler pour moi. J'ai fait des travaux dans la maison, une dépendance de la maison familiale pour m'installer dans mon petit atelier à moi. Je me sens bien ici. J'ai mon réseau, la famille et j'y suis attachée beaucoup. Je pense que c'est difficile partout de vivre de son activité. Alors je me dis ici ou ailleurs. Je travaille le grès de Saint-Amand-Puisé. C'est la première terre que j'ai touchée et en fait c'est celle qui m'a plu. J'en ai essayé d'autres mais... C'est celle vers laquelle je suis retournée, parce que je l'aime beaucoup. Elle est coriace. Pour rester zen, sinon elle se venge un petit peu, la terre. Ça fait marcher plein de sens. Il y a de l'odeur, on l'entend, j'adore. Je suis peut-être un peu isolée à l'atelier. C'est sûr qu'en ville, j'aurais plus pignon sur rue. Mais je m'y sens pas bien, quoi. J'ai pas envie, je suis mieux à la campagne. J'ai besoin de me concentrer, j'ai besoin d'être seule, dans mon petit monde, quoi. Sinon, j'y arrive pas. Une fois que j'ai tourné la boule de terre, le lendemain ou surlendemain, je fais les finitions, donc c'est le tournasage. Je retourne la pièce, j'enlève le surplus de terre pour harmoniser la forme. Et ensuite, je trace mon décor avec... une petite lame et j'aime bien tout ce qui est géométrique, donc règles, compas, c'est mes petits outils, quoi.
On dit souvent que j'ai le... Ça fait un peu africain ou asiatique et tout. Donc oui, il y a forcément des influences qui viennent de là. Parce que ben, j'ai fait un voyage une fois en Afrique. Et j'aimais beaucoup tout ce qui était motif africain. J'aime toujours, hein, d'ailleurs. Mais ouais, je pense que l'inspiration, elle est là. Après, c'est pas calculé vraiment, quoi. Je vais pas aller chercher des motifs, les recopier. Ça se fait un peu tout seul. Et t'as, au fur et à mesure des années, t'as vraiment maintenant une forme de marque, de fabrique. On reconnaît quand même pas mal tes poteries. Comment tu travailles pour le décor? Parce que t'as un décor particulier sur tes... Ouais, en fait, je fais des décors en réserve à la cire. Après la première cuisson, j'applique de la cire sur mon décor que j'avais déjà préparé sur la terre fraîche. Donc je mets de la cire, je trempe dans l'émail. Donc l'émail ne prend pas sur la cire, on voit le décor apparaître. Et c'est vrai que ben, ouais, c'est un petit peu ma patte. Parce que du coup, je m'amuse sur des décors où je fais, ou des animaux aussi, pour des petites gammes enfants. Ou sinon, c'est très très géométrique, quoi. Je pense que c'est ça, ma patte. Donc mon émission, elle s'appelle Femme Pirate. Est-ce que tu te sens un peu femme pirate? Ouais. ouais, un peu. Après, je suis une petite pirate, quoi. Je me sens pas une grande pirate et tout. Un peu modeste. Non, mais oui, ouais. Si, de quelle manière? Eh ben, de la manière où... Ben, enfin, qu'est-ce que t'entends par femme pirate? Enfin, qu'est-ce qui résonne quand je te dis femme pirate? Un petit peu rebelle, quoi. Mais je suis un peu rebelle, mais... Et un petit peu pas rebelle. Ouais, ce côté-là, un peu, laissez-moi faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Ben, merci. Merci à toi. Pas mal, enfin je fais autour, c'est difficile, enfin pour moi c'est difficile de faire des grosses pièces et il y a d'autres techniques pour en faire et j'aimerais bien aller les apprendre en fait. La question de la place des femmes en milieu rural, c'est un fil rouge dans mes interviews. J'aimerais bien arriver à faire des grosses pièces. Il y a des techniques en fait. Je trouve que dans le milieu rural, il y a encore vachement cette culture des choses qui sont pour les hommes et des choses qui sont pour les femmes. Et des métiers qui sont pour les hommes et des métiers qui sont pour les femmes. Mon émission aussi, c'est aussi un outil pour moi de valorisation de la culture féminine. Je pense qu'on s'autorise, entre femmes, à parler beaucoup plus facilement de nos émotions, de nos sensations, de notre sensibilité, de nos doutes aussi, en fait, de nos craintes, de nos peurs, de tout ça, et de nos rêves aussi, de nos espoirs. C'est quelque chose qu'on retrouve plus dans la culture féminine. Pas mal, ouais. Autour du pot, attention. C'est un territoire qui est à la fois assez préservé au niveau environnemental, mais il faut y faire attention quand même. Humainement, je pense que c'est pas un territoire qui brasse beaucoup, entre guillemets. C'est quand même aussi un territoire qui a été pas mal investi par les résidences secondaires
et du coup qui a une forme d'inertie au niveau de la dynamique de vie. C'est des territoires qui peuvent vite s'endormir en fait. Sinon c'est aussi un territoire très sympa à vivre. C'est vrai que le Brionnais, il y a quand même beaucoup d'associations ou de réseaux même professionnels qui sont relativement dynamiques. On a monté un petit marché paysan dans la commune là, de Saint-Julien pour faire vivre des centres-bourgs de villages qui sont pas toujours dans un super état. Il y a quand même une grosse dynamique de solidarité quelque part et de mise en réseau. Je participe à la vie locale déjà en étant habitante d'un pays. Je trouve que quand on habite un endroit, c'est déjà une participation. Et je suis conseillère municipale. Ça demande du travail et c'est intéressant de se rendre compte à l'échelle très très locale de ce que c'est que la vie politique. Investir du temps pour la commune et les autres, c'est intéressant. C'est vrai que je me rends compte que depuis le début d'année, là, avec cette crise, je ne m'autorise plus trop à projeter. C'est horrible. Je crois que mes projets, ça se situe plutôt sur le commun, ou l'entraide, la solidarité. Ça, c'est quelque chose qui est assez important pour moi et dans lequel je m'investis sans problème. Radio Cactus, c'est une radio locale du Charolais-Brionnais. C'est une radio qui diffuse des émissions de bénévoles. C'est une radio associative qui cherche vraiment à valoriser les initiatives locales, qui cherche à représenter le territoire le plus sincèrement possible aussi, donc je trouve que c'est intéressant. C'est chouette de pouvoir écouter des médias qui sont du pays. Je m'appelle René Sivignon. Radio Cactus, je connais depuis les années 88. Je suis retraité depuis 2004. Et donc j'ai pris la présidence et jusqu'à aujourd'hui. J'ai appris pas mal de choses. Avec mon beau-frère, monté la technique. Moi, c'était une technique. Il y avait une grande antenne avec un grand bras. Il fallait tourner pour savoir si on captait ou si on captait pas. C'est une aventure humaine. Plein de rencontres, d'amitiés. C'est une bonne aventure, disons. Alors, je suis Jean-Pierre Villard, je suis adhérent de l'association Radio Cactus. Je pense que la radio apporte l'imagination que l'image n'apporte pas forcément, surtout à haute dose. On essaie de mettre en place un projet en direction de la jeunesse pour amener les jeunes à connaître un peu mieux ce qu'est une radio, puisqu'ils vivent à côté, les amener à écouter cette radio. Leur montrer que la radio est un média hyper intéressant et auquel ils peuvent participer activement aussi si ça les intéresse. Je m'appelle Angélique Barthélémy. À Radio Cactus, en fait, je suis bénévole et je viens enregistrer donc mes émissions. Je présente des chroniques psy. L'objectif est un peu de préciser certains concepts psychologiques et puis partager mes connaissances à un public peut-être qui n'est pas forcément informé ou qui a envie de connaître des choses un petit peu différentes sur la psychologie par exemple. Les émissions de radio interviennent à des moments où on ne les attend pas forcément. C'est là qu'intervient
cette possibilité de s'ouvrir à des choses nouvelles, alors qu'on est en train de faire quelque chose qui n'est pas forcément en relation avec ce qu'on écoute, mais qui permet cette ouverture spontanée, on va dire. Voilà. Je suis Laurence Legon. Je ne suis pas originaire d'ici. J'habite à côté de Radio Cactus et en fait j'ai été sollicitée par un des membres du conseil d'administration pour donner un coup de main sur l'aspect juridique du conseil d'administration. Je me suis rendu compte qu'effectivement c'était très vivant, très enrichissant intellectuellement. Lier des connaissances, enfin veut dire à distance, mais on se rend compte que les gens attendent certaines émissions, participent. Je me rends compte que oui, il y a un impact sur le territoire assez intéressant. Moi, je suis François, je suis le secrétaire de l'association Radio Cactus. À la base, je suis quand même bénévole pour une émission qui s'intitule « Tous au rock ». Dans cette émission, j'essaie de faire découvrir la culture rock, puis surtout j'essaie de donner un coup de projecteur à tous les groupes locaux et à différentes associations qui organisent des concerts. Je suis Cécile et j'anime une émission de radio depuis à peu près un an en fait. C'est une émission mensuelle et s'appelle Patch Rock. À la base, c'est du pop-rock indépendant anglais, c'est ce que je préfère. J'avais un manche-disque quand j'étais toute petite, puis j'écoutais mes 45 tours en boucle. Et puis après, petit à petit, j'ai découvert des différents styles de musique. J'ai augmenté ma culture musicale à ce niveau-là avec les émissions de Bernard Lenoir, en fait, sur France Inter. Ça m'a donné envie de moi-même de me lancer, en fait, de créer mon émission. Donc j'ai contacté Radio Cactus, j'ai été super bien reçue. Il y a une super équipe locale et sympathique. Et voilà, donc du coup, c'est une émission en direct que j'anime toute seule. C'était un rêve, un projet que j'ai accompli, je continue à apprendre des choses. Voilà. Radio Cactus, des émissions de la musique, de l'information, 92.2. Thank you.